Poème 450. Langue de bois. Les hommes politiques, prétendument sensés, par les médias bien trop souvent encensés, cachent des tonnes d'arrière-pensées machiavéliques, toujours financées par leurs amis banquiers en coulisses. Leur objectif, derrière leurs artifices, et de noyer les misères et injustices dans le flux de leur éloquence factice. Fat, trop imbus de leurs propres valeurs, ils tuent l'esprit critique et raisonneur des citoyens avec adresse les leurs en promettant la fin de leur malheur. Ô peuple soumis à des revers cuisants, ils ne portent que des regards méprisants sur vos âpres destins, souvent peu reluisants. Dans leur discours fleuve, vertueux soi-disant, au Parlement, du haut du perchoir, en bonimenteur en quête de gloire, ils répètent sans y croire qu'un soir, l'être pourrait supplanter l'avoir. Dans leur fort intérieur, évidemment, qu'ils refusent l'idée d'un tel avènement qui ôterait la légitimité de leur gouvernement. Pourtant, ils défendent avec conviction l'argument. Ignorons ces mots creux de leur langue de bois, opérons dès l'instant ce changement hors la loi. Par leur faute, à faire jadis les plus mauvais choix, notre monde s'est engagé sur la pire des voies. Alors, fermons une si longue parenthèse, mesurons l'ampleur de notre profond malaise. Et cessons d'écouter leur sempiternelle fadaise, assis devant la télé, ravis de prendre nos aises. Car nos silences a étouffé nos aspirations, car nos peurs a inhibé notre imagination, conduisent à une bien désarmante réaction. Ôter à jamais son air à la Révolution. Poème écrit par Philippe Barreau entre le 21 et le 24 septembre 2020.